Balandi ya Kongole FM Television de partout boko landa biso mbote na bino toko beta masula mboka nenge tulobaga toujours masula mboka ebeta makana bana mboka lelo oyo dossier oyo kosala pasi na kati ya République démocratique du Congo bongo cabinet ya chef de l'état motune ezali comment est-ce que ba information ekofuitaka ba information personnelle ya chef de l'état ekofuitaka na place publique santé ya chef de l'état ekofuité na place publique oh ezali ba dossier sensible de l'état oyo mongo na ko iko utiliser pour na ko déstabiliser le pays to l'état mobimba na lelo oyo bayi basala nzambe balobi ete bango bayi na message pour na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tozali bongo na mona mboka le prophète Benjamin toko yamba eto ko beta na masolo toko solo na ye par rapport à ma question, il y a indemnisation plutôt il y a ma victime, il y a génocide, il y a Kisangani. Tout le monde qui est désarmé, UPDF, armée ougandaise, armée rwandaise. Bandongo ni na kati ya mabele ya République démocratique du Congo et on a eu à trouver plus ou moins 6000 morts na kati ya Kisangani. Tokobeta masolo, mon solo indemnisation et ma victime, où en sommes-nous? Et tokochite na kobeta masolo lelo oyo par le communiqué qui nous est rendu public par les FARDC pour signaler à toute la population de se tenir au calme parce que les FARDC intensifient le combat pour na ko ozwa ils cherchent à sous contrôle la bango contrairement le communiqué aux ezali publié par les banguna et ils cherchent à y entre et maboko na bango tokobeta masolo mona mboka prophète Benjamin Mbotena. Mbote mingi ndeko nangai journaliste Olivier mbote na bande konyoso bae kolanda biso Shalom le peuple de Dieu le peuple congolais le peuple élu de Dieu l'Israël de cet temps mbote bino mingi kolo azala na bino apambola bater. Voilà lelo oyo tokobeta masolo parce que il y a un dossier qui a fuité de la présidence aujourd'hui et ça serait peut-être une voie tonzela pour la permettre l'ennemi à déstabiliser vie la République démocratique du Congo qui est la santé la chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mon amboka prophète Benjamin aperçu ni nos alliés nango contenu et thématique one. Oui aperçu ni nos nango d'abord en tant que prophète mais aussi en tant que Congolais c'est énervant hein? C'est révoltant. Et il y a une sorte, il y a désordre ou désorganisation tout autour du chef de l'État. Les choses ne sont pas prises au sérieux. Ndenge balobaka na lopoto, bazozwa makambo vraiment na ndenge sengelite. Puisque au moni tangu mutu aza élevé ko rang ya chef de l'État, garant de la nation, azo porté la nation tout entière en cette main. C'est comme ça que santé na yé et qu'il faut la traiter de manière responsable et rationnelle. Alors, désordre, on a eu un peu sangai, quand d'abord, premièrement, et pas à Bassali en Zambi, vous allez tout autour au chef de l'État. Bisso Bassali en Zambi. Au moni, à un moment donné, hein, Bisso Bassali en Zambi, tu as découragé, Bana en Zambi, na Congo, Ban Sambela, Ban Moussous, Ban Dimel en Zambi, tata. Parce que biso moko toujours reflecter image et la divinité qui toujours reflecter image et à colo Christ Emmanuel était pour nanine parce que lorsque le chef de l'État en fait première catégorie deuxième catégorie zali chef de l'État yé moko mais entourage naïe sécuritaire naïe et ça qu'on reflecter la dimension ya Congo té. Pourquoi je dis basali anzambe parce que les hommes de Dieu, il faut bailler bakosa la part na bango. Là, je vais citer directement l'apôtre Laura Dalo et les autres. Et surtout, je m'adresse au l'apôtre Laura Dalo. Pour nanin, l'apôtre Laura Dalo na bande comme sous baza ba pasteur tout autour de chef d'état, il faut bailler baké et puis bailler biango. Batika kosa la makambo na sentiment que Dieu lui-même a kabola ki ba ministère. Vous comprenez hein? Akabola qui ba ministère bao baza ba prophète bao baza ba apôtre bao baza ba évangéliste bao baza ba pasteur. C'est-à-dire chacun azana
grâce spéciale aux Mais il y a un ministère batobele balinga kanko ko peut-être ko côté la biso yango wana. Le ministère prophétique. C'est une grâce spéciale parce que Dieu lui-même a dit Dieu ne fait jamais une échange sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Là, Dieu a souligné une exception particulière. C'est comme ça que Batobele Balingaka, même si vous êtes pasteur, a mis comme il est déjà prophète. C'est le cas, il y a Nekonabi sur le pasteur de Lola Daro. Vous devez faire attention. Vous êtes apôtre, vous devez rester apôtre. Les questions qui consultent les prophètes, il faut qu'on consulte soit Yomoko, ou qu'on consulte prophète et à solo, soit au team du chef de l'État, à qu'on commande à prophète. Komiti ya kamaka mounyo so eze ya yote. Omoni, quelque part, na lingara ba scientifique. Les scientifiques, comme par exemple dans les cas de médecine, bazana ba spécialisation. Médecine spécialiste, boy. Médecin spécialiste à gynécologie. Hein? Médecin spécialiste à tel domaine. Il en a de même à ce qui concerne les choses de Dieu. Tout à fait. Vous êtes apôtre, vous n'êtes pas prophète. Alors, si ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, grâce à cause de la pasteur et chef de l'État, au milieu de la loi comme prophète. Tout ça, c'est l'égoïsme. Et c'est le désordre. C'est comme ça que besoin induire les chefs de l'État dans les erreurs. Et besoin risquer la vie de toute une nation. Alors oui, parce que lorsque on oriente mal le chef de l'État, sur le plan spirituel, on oriente mal toute la nation. Et vous mettez en danger même sa vie physique et sa vie spirituelle et la vie de toute une nation. Ça, c'est très dangereux, mon frère. Je m'adresse vraiment particulièrement à pasteur Laura Dallo et sa bande. Vous devez faire attention. Même ceux qui Azalaki pasteur Nayo, Azalaki Mondiminayo. Quand il était encore, il n'était pas encore chef de l'État. Maintenant qu'il est le chef de l'État, il n'a plus la même dimension. Attention. Je dis bien à passer Laura Dallo. Mon frère, vous n'êtes pas prophète. Il faut ouvrir, laisser le chef de l'État à consulter les prophètes. Et au Congo, il est là. C'est lui qui en a le pouvoir de vous dire ce qui va arriver et ce qui ne veut pas arriver. C'est le cas. Je le cite, c'est le grand prophète Emmanuel Doty. Pourquoi je le dis? Omoni, n'a pas politicien n'abiso, n'a pas ngoba pasteur, baso comprendre dimension et chef de l'État. Va comprendre d'un côté. Je prends l'exemple, il y a les pays comme les États-Unis. Tout à fait. Vous savez que les États-Unis, mon frère Olivier, va vivre à cas, tout chef de l'État, toutes les décisions grandes, il y a pays, va consulter à ce qu'on appelle avant les voyants. Oh, les voyants, ce sont des prophètes. On va appeler sa cachette de l'État à Bango, basa la décision telle. Je connais pas mal de grandes décisions aux États-Unis, Pesaka. Il faut consulter d'abord les voyants. Même les décisions à Kobuma Laura de Sere Kabila, va consulter les voyants. Oh. Oui, je vous révèle ça. Va consulter les voyants à Bango. Ah oui. Et pour battre le chef de l'État à Bissot, Laura de Sere Kabila, va consulter les voyants. Et voilà pourquoi. Parce que Bissot, toujours là, pasteur. Balingi Kosala, hein, les sentiments, les tribalismes, les fanatiques, tout autour et à chef, on a perdu Laurent Désiré Kabila. Par manque de véritables prophètes. Et Nazako Kembisa, je dis bien Nazako Kembisa, Lissous, le pasteur de Laurent Dallo. Probablement, c'est un grand danger. Mais pourquoi vous acharnez sur les pasteurs Laurent Dallo aussi, longtemps vous tous, vous êtes dans le ministère. Et aujourd'hui, les prophètes, les grands prophètes, Emmanuel Bobby, Azali Bongo, et Kanem, Moutou Oyo, tout le monde, Ayebi, et Azali, et autorité spirituelle des références, s'il a quand même des contacts, qu'il a quand même l'accès à la présidence, qu'il aille trouver les chefs de l'État, les chefs d'État résident. Écoutez, il faut qu'on ait que le ministère prophétique, c'est un ministère de la divinité au milieu de l'homme. C'est-à-dire la manifestation de la divinité. La divinité qui n'a qu'à faire moutouté. Moutouaya kapoluka, prophète. N'appelle ça qui est dans le exemple à Maman, Aman, le général Aman est dans la Bible. C'est un général, non? Mais il est allé chercher le prophète. Maintenant, le problème, mes amis. Le chef de l'État a cherché tes prophètes parce que baza tout autour de lui, baza ba pasteur, ba apôtre, ba misali sur le comme un prophète. Il y a un jour au je m'achève n'est pas, je dis la vérité, c'est le cas à Laura Dallo. Il doit dire que non, moi je me limite à ça. Oh, il y a une prophétie qu'on consultait
chef de l'État qui doit consulter le prophète. Nation de Bango, c'est très dangereux parce que va mettre en danger la vie du chef de l'État et la vie de toute une nation. La sécurité du chef de l'État. Comment nous sommes chrétiens? Comment nous sommes les pasteurs? Comment nous sommes soi-disant les prophètes? Si le chef de l'État est malade, il faut d'abord qu'on consulte maladie et ça dans quelle source? Tout à fait. C'est le garant de la nation, c'est le roi pour le pays. Mais est-ce qu'il a commencé à être malade aujourd'hui? Mais oui, même s'il a été malade, même avant Wana, même Oyo, il fallait qu'on consulte d'abord qu'il y ait origine et maladie. Parce que le roi avait la capable de battre. Étant prophète, origine et maladie, chef de l'État. Je voulais dire ceci. Mais Bino Bosa peut naïe. Parce que vous avez qu'on consulte qu'il y ait la source et maladie. Parce que la source et la maladie est cause de la spirituelle. Et d'ailleurs, la plupart des maladies ont la source spirituelle. Vous comprenez? La source ou l'origine de la maladie, wana, et qu'on cause la peut-être chef de l'État, il est allé à la contre la volonté de Dieu. Vous comprenez? Frère Olivier, j'insiste, hein? Nanobi, peut-être chef de l'État qui n'a qu'un héros à la volonté de Dieu. Le chef de l'État, pour se faire soigner, il faut beaucoup d'ensemble. Et si quand il est le chef de l'État, qu'on a guéri. Ce n'est pas chaque hôpital qui est comme ma chef de l'État à Bino, au Zambé Nangaï. Bonjour, comme ma chef de l'État à l'hôpital à Bangouna. Bangouna, à Bangoussani. Vous pensez que les médecins ont besoin d'Occident, besoin d'un saint? Tout à fait. Médecins ont à cause de la secte qu'on a Kagame. Le chef de l'État a un problème, tout la guerre à Kagame, à Rwanda. Et qui dit Kagame vit l'Occident? Parce que Kagame est soutenu, c'est l'instrument à l'Occident. Mais si Koyo, Nzambe na biso, hein, au Lora d'Alou, n'a pas passé le Nzambe na biso, Nzambe na biso, Asala Kabikamo, Abi Kisaka la malade Nyos. Comment Akobi Kisa malade à chef de l'État, Botika ya Kenega la Belgique? Il y a un problème. Je dis, le malade ou la maladie à chef de l'État, il faut que le cas source avant le cas soigné. Ça peut ne pas être médical. Et tout comme il peut y avoir un médecin ici dans le Congo à combien qui s'assure de l'état malade, voilà. Pourquoi caca, il faut qu'il y ait un poteau? Pourquoi caca, il faut qu'il y ait un poteau? C'est parce qu'il y a un bateau basé tout autour, il faut qu'on consulte les amis. Et c'est très dangereux, j'insiste, c'est très dangereux. Notamment Laura Dalo et sa bande. Mes frères, vous devez respecter l'ordre divin. Puisque j'insiste, je prends l'exemple. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il faut qu'il y ait une vérité. Peut-être pour nous rappeler, yo. Et là, que Sali qui a Zalawana, et là, que Sali qui a gagné Babitumba dans la deuxième élection, et ça parce que, à Joaquim Mboka Congo, à Bonzela Angon Sambetata, Nasta de Marti. Maintenant, problème, les Zanini, dans le Bonzela qui Mboka Maboko Nzam, suite à la démarche, il y a suite à la Bokozi, il y a des questions qui se posent. Après avoir confié le pays entre les mains de Dieu, Dieu l'a fait beaucoup de choses. Nzambe a épargné na Babitumba, a épargné na ba mort, na ba accident, ba coup d'état, ba nini, belé Nzambe a épargné. Maintenant, il se pose une question. Est-ce que le chef a son vivre conformément à la volonté de Dieu? Quoi, cher Marc? Est-ce que les actes non chasseurs de l'État, ils ont tenu la volonté de Dieu? Il peut s'avérer que le chef a ça qui est bébé. Mais qui va les remettre? Ce n'est pas apôtre. Apôtre d'alors que le bangote. Akolinga a le bela nenge apôtre à l'obaka. Mais nous, les prophètes, on dit des choses en face. Alors, maintenant, l'aura de l'eau n'a pas n'a pas comme ma chef de l'état bongoti. Deuxième chose. Maladie wana. Oh, Nzambe nangai. Est-ce que Nzambe n'a pas été capable de la maladie wana? Bon, ceux qui Nzambe n'a pas été capable de la maladie, toi, quand on va à l'église, alors. Ba malade ya ba auto mona ka bozo mona ba témoignage belé la ba église. Oh mutwabiki. Maintenant comment expliquer qui malade chef de l'État Nzambe ko biki sangote? Vous voyez que nos frères d'autres des pasteurs ba sala kama kiona, c'est-à-dire ba kosa ka batuke Nzambe biki saka. Mais Nzambe la ba biki saka te. Mais le seul Dieu qui guérit, qui a guéri et qui est capable de guérir le chef de l'État, c'est le Dieu d'Emmanuel Dodji. Voilà pourquoi nous disons le chef de l'État a un bango à consulter le grand prophète Emmanuel Dodji pour Abika. Et Tolobi, et je l'insiste, Bandeko, basé tout autour du chef de l'État,
vous devez cesser de tromper les chefs de l'État parce que vous mettez en danger sa vie, vous mettez en danger la vie de toute une nation. Parce que Bozaba prophète était Bozaba apôtre. Bozaba pasteur était Bozaba libinoté, entre guillemets. Mais à ce qui concerne les prophéties de la nation, il faut consulter les prophètes. Fait les grands prophètes est là, Emmanuel Dodi. Donc, vous devez cesser, Yakomtia, Meli, Melo, c'est dangereux pour la République, c'est dangereux pour la ville du chef de l'État. Que le chef de l'État rentre rapidement, parce que Emmanuel Dodi est là, qui va non seulement guérir les malades, lui délivrer définitivement, et lui orienter, ni une fois ça là, dans une autre chose là. Voilà, un grand merci à vous, mon amboka na bandi ete, toko kende na mwa lombango, pona kosolola, lelo oyo. Nous avons vu quand même, Genocost, bande kona biso ya Est, République démocratique du Congo, toko commémoré plus de 12 millions de morts, et ainsi plus ou moins 6 000 morts nangambo ya Kisangani, et pa yo api commémoration ya Genocost et Salemaki, lelo oyo indemnisation ya ba victime. Nous avons vu na motema ya mabe ya bande kona biso ba congolais, c'était aux alentours de $250 pour nako indemniser un victime ou a koufeli peut-être ba parents, a koufeli peut-être ba bande ko azali na nda côté sika ko kendete, mais avec le ministre Constant Mutamba, il a ramené de $250 à $2000 pour nako indemniser bande ko na malgré tout. Avant cela, il y a eu des détournements de fonds et voilà qui destiné à quoi indemniser bande ko na. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Il dit que l'obani, c'est-à-dire, bah, politicien, entre guillemets, bah, politicien, bah, 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 est-ce que vous rendez compte? Mais moi, j'ai une réponse et une solution. D'abord, il faut qu'on nous capoye, qu'est-ce qui anime les politiciens de se comporter ainsi? Aujourd'hui, on a dit que tu dois diriger dans la politicien, il y a maudit. Donc, la plupart sont de maudits. Moutoazo, il y a orphelin. Mouto, il y a kata qui est ma colo. Il y a tout le monde qui est ma colo. Il y a ma colo. Mais ça, c'est kata qui est ma yo, aux gens politiciens, aux humains, aux yibi, aux gens qui sont aventure na poto. Aux gens qui sont dans l'immeuble, on a quitté ça. Est-ce que vous ne voyez pas que ces gens-là, ce sont des sorciers? Oui, je vais vous dire qu'ils sont des sorciers. L'esprit qui anime ces politiciens-là, c'est l'esprit de la sorcellerie. Et maintenant, si vous avez le bomba, vous avez le pasteur, vous avez le bateau, vous avez le bateau. Vous avez le bomba, le politicien, et le bateau, le pasteur, vous avez le délivré, vous avez le bateau, vous avez le bateau, vous avez le okitistes, ce sont des sorciers. Bah, politicien, belé à 90% bah, kota na okitiste. Maïkari, franc-maçon, prima courrier, en kaka, baza bandoki. Comme baden. Bah, politicien, ou yébi wana. Bah, non, non, yébi. Non, 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 je suis pas là pour les citer, mais ils connaissent. Mais le problème, ils ont condamné bango totalement. Parce que la plupart, bazanga ki, mosali ya nzambe, ou les représentants ya nzambe na te, na mabele, ou akokango la bango. Ba pasteur non se bazawa ba kango la kabo kiti sete. So ki okiti sa yaza ministre apese ka mbo mwesi la zogina. Abene moussant. Oh non, kiti sme se la sorcellerie. Qu'est-ce qui fait à ce que ba politicien wana base la na moute mamabe wana. Origine ya mite mabe na mwezo ute no kiti sme. Framasso, maikari, prima kure, et kankara, amofe et tous les autres là. Et ce qui fait que, alléluia, heureusement Kimbangu avait prophétisé, c'est là ça. Quand le grand roi divin viendra, il va nous délivrer. Qui est Moussala ou Emmanuel Dodiazo Sal? C'est de faire de ces politiciens les hommes fous, un homme fait homme d'État. C'est-à-dire quoi? Un homme délivré de l'okitisme. Parce que les okitistes, ce sont les idiots utiles. Ça veut dire quoi? Le plus grand danger dans notre pays, c'est quoi? L'Occident pour utiliser la colonisation, la deuxième colonisation. L'Occident a utilisé bande konabiso, soit disant bande konabiso, ba politicien, a koti bango no kitisme. Tant qu'a koti bango no kitisme, a pesi bango milimo na ye. Oh, milimo isaki na colonisation, mais ye a komi ko se manifeste à travers bande konabiso na. C'est pourquoi bande konabiso moye baza na moutema malamo isaki. Parce que baza na esprit satanique occidental pour détruire les Congolais. Et par conséquent, au Congo, on a fait un bango, bakenaga kotonga libanda.
bakendaka kosala makambo nyonso libanda. Ou alors soki atongi awa eza biloko na ye moko personnel, l'individualisme, c'est-à-dire l'égoïsme satanique. Donc la solution aujourd'hui, c'est que le grand roi étant là, celui que Kimbangu avait prophétisé, le prophète messager, le Christ incarné, Emmanuel Dodi, c'est le seul, je cite, dans l'humanité tout entière, le véritable vassalum que l'humanité attendait, qui a le pouvoir de délivrer les occultistes à toutes sortes. C'est-à-dire, les politiciens ont condamné les gens qui savent la vérité. Maintenant, il y a et sika ont besoin de délivrance. Parce que sans délivrance, mon frère, à table changer, on va changer, on va changer, qui tchat ça, on changer, l'île. Bozi kaka, oh non, ça va se faire. Bah, c'est la même chose. Bah, koyiba, na bah, koyibe. Même 2000 dollars, c'est paix. 2000 dollars, c'est ça, l'île. Maman, on va kataka makolo. Bandeko, on l'a mis, bandeko, on l'a mis, on l'a mis. Bandeko, bah, souffert qu'ils ont perdu tout. 2000 dollars, vous faites quoi? À Kisangan, 2000 dollars, ça fait pas quoi? Et qu'on s'en va le prendre, mais Kisangan. Mais qu'on s'en va le prendre, j'étais à Kisangan. L'année passée, je fais Kindu, Kisangani, Kigoma, dans lesquels on a zéro mal, ils sont là. 2000 dollars, ça va faire quoi? C'est rien du tout. Mais les politiciens, ils savent combien ils ont volé. Ils ont détourné Batu Oyo, Basoufraki. Nazo condamné Bangote, mais je condamne l'esprit qui les anime. C'est l'esprit de l'occultisme. L'occultisme, c'est-à-dire, c'est l'esprit antichrist. Au Congo, nous sommes les chrétiens. Le pays de Christ. Maintenant, nous avons les dirigeants qui sont les occultistes. Alors, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. L'esprit antichrist qui combat l'esprit de Christ qui est à nous. Voilà pourquoi les politiciens au Congo, ils ne peuvent pas nous faire du bien. Sans qu'ils soient délivrés. Heureusement, c'est lui qu'on attendait. Parce que les pasteurs, la plupart, même 99%, ils n'ont pas le pouvoir de délivrer ces politiciens. Mais c'est Emmanuel Dodi qui en a le pouvoir. Mais moi, je n'en ai pas. Voilà, même le pasteur du président Roland Dallo n'est pas vrai. Non, Roland Dallo ne peut pas diriger un occultiste, ne peut pas délivrer un occultiste. Roland Dallo ne peut pas délivrer un occultiste, je le dis, c'est mon frère. Il n'en a pas ce pouvoir. Néanmoins, il y a qui au départ, Bissot va homme de Dieu toujours détruit le Congo. Pouvoir dans un angoté, comme il va en angoté. Colombaté, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a un bon, l'oukouta. C'est-à-dire l'oukouta, l'ouvouz. Ça veut dire quoi? Il faut être sincère. Il y a des esprits, les géants, les êtres, dans le monde des ténèbres. Il y a des rois que toi, tu ne peux pas délivrer. Moi, peut-être, je ne peux pas. Vous comprenez? Le seul homme qui a les cordes de délivrer les occultistes, c'est Emmanuel Dodi. Voilà, déjà... Donc, Laurent Dallon a l'émission qui a quoi délivrer les occultistes, c'est qui? Voilà, n'a pas dit que Congolais bazali belé à Rolanda Bisso. Déjà, je demande des grandes excuses aussi à nos téléspectateurs pour la santé, mais nous sommes là pour vous servir. Déjà, la situation au Yoto Komona Nangambo depuis avant-hier, hier, l'intensification dans l'Est de la République démocratique du Congo, ce qui concerne l'espace Ishasha, Oyo, et nos frères aussi, et parce que les lots Oyo, nous sommes en train de voir. Mon amboka Corneille Nanga, Bertrand Bissimoua, Oyotouébi, normalement qui sont des fils pays, il y a République démocratique du Congo, mais autorisés et de voir leurs frères en train de mourir parce que Bango, il a convoitise, il y a pouvoir. Mais, Nana, il faut que Corneille Nanga soit fils du pays. Ah mon Dieu, mon peuple périt par manque de connaissances. Corneille Nanga, il a des familles naïe, tu évites quand même des conaïe, à outil au Kamba province. Ah ouais. Mais Bandeko Bako, Bako, Baya et Bele, Bazé la Bangwa. Ben filtré, Bazé Bele. Bertrand ici, Maza Chi, non? Il y a les. Non, c'est faux. Bertrand et Nani, c'est comme on appelle là. Par exemple, Corneille Nanga. Corneille Nanga, il y a des tribunes. Bako, ça va tout. On va éviter. Il y a des choses qui sont Nani, Emma. Emma, ce n'est pas une tribu. Emma signifie bâche. Moni baba se batongi la kabatwana. Ne Emma. Ça veut dire que ces gens qui sont venus, baye bafandi et si kabatye ba bâche wana. Baba réfugié. Non, parce que. Ce sont les Rwandais. Il y a les Emma et les Lendu. Il y a les Lendu. Lendu, c'est ça la tribu. Emma, ce sont les Venants. Oba ya, ba s'implanter à travers ba bâche. Emma, ce n'est pas une tribu, c'est une fabrication. C'est comme fabriquer Mourenge et comme une tribu. C'est une montagne. C'est l'infiltration tous. Et donc, les messieurs là, Vautier, président Yasseni, Nabuzo Banaye, Corneille Nanga, c'est un tous, c'est un infiltré. Mais je vous dis,
voilà pourquoi tu as souffert parce que tu as dit qu'on identifié même pas Batité. C'est un tout s'infiltré. Corneille n'a jamais été congolais. Mais néanmoins, et pour preuve, Corneille n'a pas été cause ni qui n'a pas été la rébellion. En cause, lui qui était président à CENI, Azaki juge. Mais comment y a-t-il continué sur la Bitumba? Et comme il y a eu, il y a eu un pouvoir, il y a eu tata, il y a maman. L'autorité vient de Dieu. Les hommes peuvent être que les instruments que Dieu utilise. Vous pensez que Étienne Tshisekedi a joué qui président, c'était parce qu'il a une popularité. C'est parce qu'il a beau tamaké consulté. Ah oui. Mais Félix Tshisekedi a joué parce qu'il a beau tamaké nango. Voilà pourquoi il faut consulter le grand prophète Emmanuel qui nous enseigne les choses cachées. Comme Kimbangu avait dit, quand le grand roi du vin viendra, il nous enseignera toutes les choses. Le problème est que nous avons dit que nous avons dit Kozanga koye baiza liwa ya mobimba. E mutu a yebi makambu nyoso azali. E sikoyo, voilà pourquoi na zongeli makambu na yibisa kiyo. Problème ezali beaucoup plus subiso ba pasteur. Même bande kwe bele bakangami na beglise ya ba pasteur bo kangi bande kwe bele beglise. O yebi ki na koko kako delivre mutu yote. Me o kangi kaka wana. Me o kangi kaka wana. Ozana bo kitise na eglise na yo, o kangi bango wana. Me mutu yote delivre bo kitise emanado de azawana. Aujourd'hui, quand on a voté, il y a des livres. Laura Dallo, au Kangi, président de la République, oh, parce qu'il y a un pasteur, parce qu'il y a un bongo. Mais le problème, c'est que tu es chef de l'État, joie de livrance. Tu es chef de l'État, joie de livrance. Alors, je voudrais dire ceci. La solution, on a la guerre, on a l'Est, et ça, on a beaucoup de monde, Nzambe, ou Nzambe, Pessier, et Manon Doudi. Guerre, on a, il faut ici là. Le chef de l'État doit venir consulter les grands prophètes Emmanuel Douti. Voilà. Et nous devons, et à travers lui, je signe Kagame, Pharaon, doit mourir. Mais bien sûr, ceux qui vont consulter Emmanuel Douti, le chef de l'État, pas n'importe qui, il va faire une seule prière, Kagame va mourir. Et là, le déclenchement de la défense du Congo va commencer. Voilà. Nabandi, un grand merci à vous, mon amoka, prophète Benjamin. Un grand merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Jusque-là, c'est le communiqué que nos FRDC nous ont rendu public et qu'il y a l'intensification des combats. Ils cherchent à ne pas encore récupérer dans la tireté comme les communiqués. Ce sont des intelligences artificielles où l'ennemi va consoler la peau, qui va tromper, qui va désinformer, qui va côté sa population, la mission à 4, il y a des informations. Les FRDC nous a assuré que l'intensification des combats et ils sont en train de poursuivre l'ennemi pour leur chasser le territoire. Il y a Ishasa, il y a Ishasa. Et pour l'instant, Ishasa est là encore sous contrôle. Il y a la FRDC. En tout cas, et fiez-vous des mauvaises informations parce que jusque-là, c'est l'information qui nous est délivrée par le porte-parole. Il y a Force armée à la République démocratique du Congo, Mouna 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 Souka. Et 30 secondes, un message de la population congolaise. Message Ezali Mokon. Congo Ezali déjà visité divinement par là. Or, lorsque Dieu visite son peuple, il y laisse l'abondance. Dieu n'a jamais visité le peuple pour laisser le peuple à l'esclavagisme que nous sommes, mes frères et sœurs. Nous sommes à l'esclavagisme. L'esclavagisme d'être dirigé par l'Occident, d'être dirigé, dominé par les Rwandais, le satanisme okitiste qui nous dirige, qui nous domine. Mais les grands rois du Vélan, celui que Kimbangu avait prophétisé, venez les consulter, le véritable voici l'homme que Dieu a institué au milieu de nous, Emmanuel Doti, pour toutes les solutions. Que le chef de l'État, notre frère bien-aimé, rentre rapidement pour les consulter, pour sa santé personnelle, et aussi pour la santé, la bonne santé de la République. Le pays ne peut plus continuer à vivre l'opprobre, l'humiliation que nous subissons aujourd'hui pendant que nous sommes déjà consultés. Et pour ceux-là qui auront besoin de poser encore plus de questions, je leur confie mon numéro. Moi, je suis que celui qui est venu annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire la bonne nouvelle est là. Vous prenez mon numéro, plus 243 85 67 0 34 56 85 67 034 56. C'est le prophète Benjamin Kawanga qui vous parle, l'incarnation de Simon Kimbangu. Ça veut dire le représentant du grand roi divin Emmanuel Doti. L'État est arrivé où nous ne pouvons plus aller à l'Occident.
les noirs deviendront les blancs, les blancs deviendront les noirs. Ça veut dire la solution, la guérison, je dis bien la guérison de toutes les malades, c'est ici au Congo. Les solutions de l'humanité, c'est ici au Congo. Le véritable voici l'homme de l'humanité étant déjà là, Emmanuel Doty. Venez tous les consulter pour des solutions idoines à nos problèmes. Que Christ Emmanuel soit avec nous. Voilà, un grand merci et on se retrouve dans un autre numéro.